Bonjour et bienvenue au cours Fiscalité 1 appliqué aux particuliers. Mon nom est Nicolas Boivin. Je suis professeur de fiscalité au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis 2003. Je suis membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés et détenteur d'une maîtrise en fiscalité. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à ce premier cours portant sur les règles de conformité fiscale applicables aux particuliers. Il faut savoir que les cours de fiscalité 1 et fiscalité 2 sont en quelque sorte indissociables l'un de l'autre du fait qu'ils couvrent, ensemble, l'intégralité des règles de conformité fiscale applicables aux particuliers et aux sociétés. C'est donc un privilège pour moi de vous initier à cette première partie de votre étude de la fiscalité. Les objectifs de ce cours en ligne sont les suivants. D'une part, quant au contenu, d'entreprendre l'étude détaillée des règles fiscales en ce qui a trait à la résidence des particuliers, au calcul des différentes sources de revenus, Tels le revenu d'emploi et les autres revenus et déductions, ainsi qu'au fonctionnement des différents régimes de revenus différés. Aussi, l'étude des éléments à prendre en compte dans le calcul du revenu imposable des particuliers, tels la déduction pour gains capital et les pertes reportées d'autres années, ainsi que des éléments à considérer dans le calcul de l'impôt, tels l'application des taux d'imposition progressifs et des différents crédits d'impôt. D'autre part, quant à la structure, de vous offrir un environnement de navigation simple, intuitif et directif. Aussi, vous proposez une offre originale de matériel pédagogique complet, entièrement numérique et disponible gratuitement à même le site fiscalité.uqtr.ca. Le travail à faire est présenté clairement et est séparé par semaine. Des lectures dans un volume explicatif et imagé, ainsi que des capsules vidéo, vous permettent d'acquérir les connaissances requises. Des problèmes et solutions vous sont offerts afin de vous permettre de valider votre compréhension des connaissances acquises et au besoin de revoir certaines notions moins bien comprises. Un wiki collaboratif est disponible afin de vous permettre d'échanger avec les autres étudiants et avec le professeur des questions, des réponses, ainsi que des commentaires portant sur des difficultés de compréhension rencontrées suite à l'utilisation du matériel pédagogique. Des activités hebdomadaires évaluées vous incitent à réaliser le travail à faire à chaque semaine sans prendre de retard. Des études de cas vous permettent de mettre en application les concepts étudiés. Avant d'entreprendre l'étude du premier sujet, je vous invite à prendre connaissance de l'ensemble des consignes indiquées dans la section Introduction. Finalement, je tiens à remercier tous les employés de l'UQTR qui ont participé de près ou de loin, à la conception de ce cours en ligne. Plus particulièrement, je tiens à remercier les employés du service de technologie de l'information qui m'ont apporté un grand support. Il me reste maintenant à vous souhaiter bonne session.